Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour notre 18e podcast couture où, comme d'habitude, on va vous présenter les projets qu'on a pu réaliser ces derniers temps. Comme d'habitude, on va vous présenter les habits qu'on porte aujourd'hui et puis après on passera sur les derniers projets. Et puis bien sûr, je te laisse commencer. Donc aujourd'hui, je porte la robe Dolores, je crois, ça s'appelle comme ça dans la couture actuelle, que j'ai modifiée selon une inspiration que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc la robe que je porte ici, on en a parlé dans le podcast juste avant de celui-ci. Voilà. Voilà. Pour ma part, je porte aussi une cousette qu'on a présentée lors du dernier podcast, donc le 17e. C'est la blouse Delia, donc de la maison Victor, qui est réalisée donc dans un tissu, des tissus de rêve, une viscose. Donc voilà. Si vous voulez plus donc de détails sur nos deux cousettes, vous pouvez retrouver soit le lien dans la barre de description ou dans le petit i juste en haut. Je te laisse commencer. Alors, je vais commencer. Moi, je vais commencer aujourd'hui. Je pense que je n'ai pas du tout de couture actuelle. Bon. C'est vrai? Ah oui. Alors, moi, je vais parler aujourd'hui donc d'une robe que ça fait longtemps. Je pense que ça fait un an que je voulais cette robe. Et mes enfants m'ont offert un bon l'année dernière pour mon anniversaire. Et j'ai acheté pas mal de tissus chez Cousette. Donc, j'ai fait la robe Arlette. Vous savez, je pense que tout le monde connaît la robe Arlette de la République de Chiffon. J'adore cette robe. J'aime beaucoup ce petit découpe, un petit empiècement ici avec des petites franges, des petits boutons devant, des petites manches et cerise sur le gâteau, petite manche bouffante. Alors voilà, je vais vous montrer ma première version donc dans ce coupon de DS. Magnifique. Il y a un truc quand même. T'as tout le temps de la chance avec tes tissus Dress and Story. Pourquoi? Parce que c'est des tissus, bon, l'intitulé de chaque tissu est très compliqué à comprendre, c'est jamais la même chose. Pour chercher tel tissu, popeline, machin, voilà. Et je trouve. Je sais pas comment tu fais, mais t'as de très beaux tissus qui viennent de chez Dress and Story. Ah bon? Ouais. Ah, pardon, je suis toute. C'est mon ventre qui fait de coucou. Alors, c'est. En fait, c'était écrit crêpe de viscose, mais pour moi, c'est du crépon. Crêpe de viscose, je sais pas si. Mais je l'ai acheté comme ça. Et ça fait. Tu trouves que c'est joli? Elle est beau. Ah ouais? Je trouve que l'aspect crêpe est oui, fait pour l'été. Pour l'été, je pense que... Donc, c'est en bleu marine avec des petits pois blancs, comme ça. Et la robe Arlette, c'est ça. C'est, vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit empiècement qui fait de l'épaule, je crois. Ouais, c'est de l'épaule qui va jusqu'au devant. Vous avez des petits fronces ici, des boutons. S'arrête là et après c'est un pan, c'est le même pan qui fait le devant derrière. Petite manche bouffante qui n'est pas du tout long, qui s'arrête vraiment. Ça fait vraiment la robe vintage en fait. Que... C'est trop mignon. Ouais. Alors, c'est présenté de taille 34 à 46. Les marges de couture sont à rajouter, ce qui est dommage. Mais bon, moi, ça me gêne pas. Moi, je me fais pas un cas pour ça. Je suis habituée avec couture actuelle où il faut rajouter toujours. Mmh. Et là, donc, ils disent bien 1 cm partout, sauf les bas de manche, vous rajoutez 2 cm. Et pour les jupes en bas, donc, vous rajoutez 4 cm. Moi, j'ai rajouté, pour ma part, que 3 cm. C'est suffisant. Le petit, donc, vous avez un petit empiècement, en fait, qui fait épaule-dos. Et je trouve bizarre qu'ils disent pas, ouais, qu'il va en fait l'empiècement va vraiment dans le dos. Et je trouve ça bizarre que c'est pas indiqué qu'il faut doubler. Moi, les empiècements comme ça, je double tout le temps et je fais la technique de
Du burrito. Du burrito, en fait, parce que je trouve que ça fait, si tu peux montrer à l'intérieur, pour moi, ça fait plus joli quand c'est doublé. On laisse pas un empiècement, enfin, je sais pas. Pareil, hein, pour les thermocollés, dans ce modèle-là, ils disent pas de thermocoller les parementures devant, parce qu'il y a une parementure devant, donc qui n'est pas aussi thermocollée. Moi, j'ai tout thermocollé ici. Voilà. Après, c'est une robe qui est très, très facile à faire. Moi, donc, je l'ai fait... C'est ma première version, mais ce qui m'a rendu en erreur dans la première version, je me suis dit, donc, vous avez une parementure qui va devant ici. Donc, vous avez des boutons. Donc, ils disent bien de faire les brides. Il y a des brides à faire. Vous faites les brides. Moi, je me suis dit, donc, j'ai lu, hein, de travers, hein. Je n'ai pas suivi comme il fallait. Je me suis dit les brides, donc je vais prendre entre le parementure et le tissu extérieur, et après je vais coudre, je vais le mettre, je vais le retourner donc endroit sur endroit, je vais le retourner, je vais retrouver mes brides, et de l'autre côté après je vais surpiquer. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Il faut surpiquer. Non, même pas, ils disent même pas surpiquer. Et quand c'est fini, j'ai dit, mais en fait, c'est pas comme ça qu'ils demandent. Quand j'ai fait la deuxième, je vous montre la deuxième après. Et j'étais là, j'ai dit, bon, je défais pas, comment je vais faire? J'ai dit, non, tu défais pas, tu laisses comme ça. Je vous montre les petites brides que moi, je mets, en fait, des petites brides comme ça, en élastique. C'est plus facile. Mais je trouve ça plus pratique dans la vie de tous les jours, ouais, en plus. Là. Mais en fait, vous n'avez même pas besoin de les... Si en fait, c'est seulement, comment dire, en décoration. Moi, je peux l'enfiler sans ouvrir les brides. Donc, ce que j'ai fait, j'ai posé la partie droite sur la partie gauche sur 0,5 cm. Et j'ai piqué ici. Et après, quand vous avez fini le haut, vous assemblez avec le bas. Vous montez le bas. Et vous assemblez le haut et le bas. Et vous mettez un élastique qui commence de chaque côté de parementure, à gauche et à droite. L'élastique, elle ne passe pas du tout ici. Et vous cousez donc l'élastique de 0,5 cm sur le surjet. Okay. Elle est, j'adore en fait le rendu. J'ai vu plusieurs rendus et il y a un an et demi où quand j'ai vu la version de comment elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, la création de Chloé, je crois. Elle l'a fait, elle aime beaucoup aussi cette robe, et je trouve, à chaque fois j'ai dit, il faut que je le fasse. Bon, bah. Bon, moi j'ai thermocollé, hein, partout, j'ai mis mon étiquette, et voilà, c'est une robe. Donc. T'as mis du temps à la faire? Non. Non, non, du tout. Donc j'ai fait une deuxième version, donc avec le coupon que mes enfants m'ont offert. Donc, c'est de la viscose Mila. Il est magnifique. Viscose Mila de chez Cousette. Donc, elle est là. Cette viscose, elle est vraiment d'une bonne qualité. Excusez-moi, il y a plein de fils que j'ai oublié d'enlever. Qui ne sont pas encore enlevés. Elle est magnifique. Magnifique. Ah oui. C'est vraiment d'une douceur de... Je crois qu'elle existe encore, hein, cette viscose. Donc, vous verrez peut-être mieux ici les petits empiècements par rapport à l'autre robe. Des boutons, toujours les mêmes qu'on parle. Toujours les mêmes boutons, et vous verrez bien que là, je me suis trompée de couleur, mais c'est pas grave. Et ici, en fait, j'ai doublé toujours, hein, l'empiècement du devant... Ah. Je peux plus ouvrir les boutons parce que là j'ai fait vraiment des brides. Ah ouais?
J'ai fait vraiment des brides. Bon, je vais ouvrir le troisième. En tissu. Et là. Là, je me suis dit, là, cette fois-ci, je vais vraiment suivre ce qu'ils disent là-dedans. Donc, Cassandra m'a aidée parce que moi, je... Vous savez, des fois, quand vous êtes devant votre couture, des fois, l'explication, en fait, ça ne rentre pas. C'est... Vous elle pouvez lire. Pas, hein. Ah oui? Tu lis, ça ne veut pas. Non, c'est... je ne comprenais pas du tout. Et Cassandra, elle m'a dit, mais en fait, il faut coudre. Donc, on coud les brides. Ah, c'était pour les brides que tu m'as appris? Non, c'est pas pour les brides. En fait, c'est pour les devants, gauche à droite. Il faut vous préparer donc les brides que vous cousez avec la parmenture. Les parmentures et le tissu endroit sur endroit. Et les brides à l'intérieur. Vous faites bien attention que les brides se couchent de ce côté-là pour que quand vous retournez les tissus, les brides, ils se mettent de l'autre côté. Mais que vous cousez que jusqu'au dernier bouton. Et après, vous venez coudre les deux parmentures endroit sur endroit et le tissu pareil, endroit sur endroit. En fait, il ne fallait pas du tout les superposer. Mais si je fais une troisième version, et ça, ce ne sera pas impossible, je ferai quand même l'autre version. Tout simplement pourquoi? Parce que, en fait, le fait que les deux, le devant gauche et le devant droit, se superposent, ici, ça m'arrange plus par rapport à l'échancrure. Vous verrez que lui, il tombe un centimètre un peu plus bas. Donc, on voit le début de sein, tandis que l'autre, il est parfait. Alors, à l'envers, il n'y a pas du tout de pince devant, donc... Après, il y a l'élastique aussi. Il y a l'élastique. Voilà, l'élastique est donc toujours pris de chaque côté. Ici. Là. Tu sais qu'on a du fil rouge bordeaux. Ah ouais? Non, mais pour surjeter. Ah non, oui, il n'y a pas pour surjeter. Et là, ici, j'ai doublé. Hein. Je double toujours cet empiècement parce que je me suis dit que quand ça se fait que c'est pas doublé, c'est pas... C'est même parce pour que la tenue. Un bout de parmenture, tu vois, qui passe dessus, mais bon. Ça fait pas joli. Ça fait pas joli. Et là, ici, comme le bleu aussi, j'ai cousu à la main la parmenture jusqu'ici pour tenir. Et pareil de l'autre côté. Par contre, dans le livret d'instruction, hein, ils disent de coudre la parmenture ici à la machine. Mais je n'aime pas. Je trouve pas ça joli. Il est tenu ici, de chaque côté. De coudre en rond, ouais. Comme tu sais, c'est comme la chemise Juliette. Mm. Pareil. J'aime pas. Parce qu'il suffit que ton tissu glisse ou... et ça fait et peur. Puis, ça, oui, ça peut faire des plis, ça peut faire... Non. Non, donc j'ai laissé comme ça. Donc voilà la robe Juliette la prochaine fois, si je le fais. Je ferai, oui, c'est ce que j'ai marqué, je ferai la version où je superpose en fait la version gauche, droite, gauche de quelques centimètres. Et puis au niveau de l'élastique qui est indiqué dans le tableau, pour moi, ça fait 4 cm plus grand. Il s'est marqué 56 et quand j'ai fait la première 56, ça ne me sert pas assez. Donc, j'ai enlevé 4 cm. Et là aussi, pour mettre l'élastique, je ne sais pas comment vous faites, mais il faut bien, en fait, répartir l'élastique. Donc, moi, j'étais obligée de faire des repères sur l'élastique et sur la robe pour que je puisse tirer l'élastique jusqu'au premier, deuxième, troisième, quatrième repère pour arriver jusqu'ici. Voilà. Et le bouton aussi, j'ai remonté de 2 cm par rapport à la repère. La robe Arlette. J'adore aussi la robe, le nom de la robe. Ça fait vraiment vintage, quoi. Arlette, robe rétro. Et voilà. Thank you.
J'ai l'impression tout le temps de mettre une mise en garde avant que je présente mes cousettes, parce que là, là vraiment je ne l'ai pas fait exprès, mais j'ai deux couleurs dominantes sur mes... Oui, mais moi ça m'arrive. Ah ouais? Tu mais je ne remarque pas pour le coup. Ah ouais? Pourtant, moi ça m'arrive de... Vrai que là pour le coup, tu as deux couleurs aussi. Ah ouais. C'était, je sais plus, l'automne ou l'hiver, je faisais du bleu, je faisais la jupe bleue, la veste bleue. Combi bleu, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, mais tout n'était pas réuni en même temps. Ah, pas loin. Parce que là, là c'est un scandale en fait. Moi, je vais vous présenter une cousette donc, qui vient de chez Couture Actuelle. En fait, à mon boulot, le période de Noël, en fait, on a un repas et pour le coup, il y a un Père Noël secret. Et donc, du coup, j'ai tiré une de mes collègues que j'adore et en même temps, c'était son anniversaire. Donc, du coup, je lui ai offert en fait un bon pour lui faire soit une robe, soit une blouse qu'elle a choisi. Et elle a choisi une robe portefeuille. Je passe les différents modèles que je lui ai présentés, mais elle a choisi un modèle qui se trouve donc dans ce Couture Actuelle, le numéro 6 extra. C'est l'été dernier. De l'été dernier, effectivement. Et c'était le modèle 25 pour la robe croisée multicolore qu'on voit juste ici, qui est présenté en taille 40, 44 et 48. Quelle mémoire! Non, c'est que c'est les mêmes tailles que l'autre modèle de l'autre côté, donc... ouais. Donc c'est une robe que j'ai réalisée en taille 40, qu'on retrouve donc juste ici. Donc elle n'est pas finie, puisque j'ai quelques ajustements à faire par rapport à la taille de ma collègue, notamment sur la longueur des manches et la longueur de la robe. Donc, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc c'est une robe que j'ai réalisée en viscose. Je sais pas, en fait on dirait de la, un mélange moi, c'est de... C'est du lin viscose pour moi. Ah ouais. Mais l'autre cousette qui est lin viscose, c'est pas comme ça. Ah ouais. Ah, c'est pas Dresden-Storen. Ça c'est... Tissu de rêve. Pour moi, c'est du lin. Après, en fait, j'ai l'impression que c'est un mélange entre de la double gaze, du lin par rapport à comment c'est tissé. On voit sur le tissu quand même le tissage du tissu, donc je sais pas trop ce que c'est. Enfin bref. Tout est-il que c'est un tissu très fluide. Ah, magnifique. Moi, je suis dans le vert en ce moment. Faut que je porte le rouge, mais... Ouais. Je suis dans le vert. Donc c'est une robe qui se présente comme ceci, donc avec un haut donc croisé qu'on retrouve avec des parementures sur le décolleté, des manches qui initialement sont des manches longues, mais je sais qu'elle le voulait pour l'été, donc on est parti sur des manches courtes que j'ai rallongées pour pouvoir ajuster selon ce qu'elle veut. Trois pans qu'on a donc sur le devant, donc ici, ici et au milieu. Et la même chose donc derrière avec trois pans, donc deux pans sur les côtés, un pan sur le milieu. Enfin, quatre pans pour le coup, puisqu'on n'a pas découpé, enfin j'ai pas découpé le tissu dans la pliure derrière, puisque vous avez en fait une ouverture pour la fermeture invisible, qui n'est pas fermée aujourd'hui puisque j'attends de voir s'il y a besoin de faire des ajustements en termes de recintrage de la robe ou pas, s'il faut rajouter des pinces ou pas par rapport à la morphologie de ma collègue. Donc voilà, c'est encore une ébauche, mais on est sur quelque chose qui est prochainement fini, que je voulais vous présenter ici puisque je ne sais pas si je pourrais prendre des photos ou pas portées par la suite. Donc au moins je vous la présente. Parce que l'année dernière, je me suis fait avoir. J'ai fait une robe pour une de mes collègues. Et en fait... C'est pour un mariage. C'était pour un mariage, je ne l'ai pas présentée. J'avais des photos, mais je n'ai pas la robe finale. Donc voilà, je ne l'ai pas présentée. Donc là, j'en profite pour vous présenter quelque chose. Ce n'est pas de la couture égoïste, là c'est couture cadeau. Donc voilà.
Donc pareil, en bas, c'est pas surfilé encore, ni ajusté par rapport à la taille de la personne. Donc voilà. Tout simplement. J'aime beaucoup. Il est très agréable à coudre. Par contre, à découdre, je m'y attellerai pas. Il a l'air un peu fragile quand même. Alors moi, je vais continuer toujours avec la République de chiffon. Vous savez, un jour, je vous ai dit que j'ai beaucoup de patrons indépendants, mais je ne les utilise pas. Ils sont en attente. Ouais. Ouais. Donc cette fois-ci, j'ai dit, cette année, il faut que je le fasse. Alors moi, je voulais un combi short, donc à cause de chaleur qu'on a eu il y a 10 jours. Et je voulais, je ne porte plus de short. Et je me suis dit, un combi short. Et à la base, je voulais combi short, la couture, combi short Yvonne. Celui-ci. C'est ce que je voulais à la base. Mais j'ai acheté autre chose. J'ai acheté la combinaison Dominique, qui n'a rien à voir avec... Mais je pensais que tu avais fait ça, moi. Non. Ah d'accord, très bien. Alors, non, du tout. Je l'ai mis là parce que je voulais vous en parler, parce que je vieillis et que je fais n'importe quoi. Donc, en fait, souvent, la République de chiffon, c'est une information que je voulais vous dire. Dans l'année, en fait, ils font toujours, vous achetez 3 patrons et vous payez que 2 patrons. Et moi, j'ai acheté combi, j'ai acheté la robe Arlette, j'ai acheté... Il y avait un pantalon aussi, non? Oui, Gaston. Les Républiques de chiffon, je crois que j'en ai en tout 6. Voilà. Oui, parce que je me souviens, à chaque fois, c'est moi qui... C'est toi comment... qui... Oui, parce que c'est par PayPal et je n'ai pas PayPal. Vous avez tout notre envie. Bon, bref, je voulais un combi short Yvonne, mais j'ai acheté combi Dominique que Cassandra vous met ici. Ce que je voulais, en fait, je voulais un short et je ne voulais pas de plis comme sur la combi Dominique, parce que le combi Dominique, vous avez le col qui est magnifique parce que c'est un col rétro comme la robe, comme le col chemise de leur chemise Juliette, un petit peu arrondi, un col tailleur mais un petit peu arrondi. Et là c'est la même chose, c'est arrondi, le haut il est manche légèrement tombante, vous avez un empiècement ici, vous avez des poches et vous avez un empiècement dans le dos aussi, le haut du dos, et que vous pouvez surpiquer ou pas. Et moi je ne veux pas d'empiècement, je ne veux pas de poche, je veux à peu près la combi. Mais du coup, pourquoi Yvonne, t'as pas arrondi les... Non, ce que j'ai fait, j'ai pris exactement le haut de combi Dominique qui a le col, je n'ai pas coupé là où il y a l'empiècement du haut du bas, je n'ai pas mis les poches. Je vais vous montrer la combi Dominique, donc avec un... Je sais pas ce que c'est comme tissu. C'est du crépant. Mais sur le site de Dressenstoffen, c'est un tissu que j'ai acheté il y a 18 mois. Ah oui. Que je pense pas que ça existe encore. C'était marqué crêpe viscose. Mais pour moi, c'est pas du tout crêpe viscose. Ça fait plus du crépant. Alors, si vous voyez là, vous avez vraiment le col arrondi. Je n'ai pas fait l'empiècement ici. Je n'ai pas mis de poche. La manche est légèrement tombante. Donc, vous avez une ouverture ici avec des pattes de boutonnage. Et le dos simple. Et le bas, j'ai pris un... Attends, parce que tu dis que je me complique la vie. Mais là, on est sur quelque chose aussi tout pareil. Là, je crois que je vais le refaire. Le combi short qui est ici, je l'ai déjà fait
l'année dernière, je crois, mais on n'a pas pu présenter parce que Cassandra était en plein déménagement, plein de travaux. Et j'ai fait ce combi short là, mais un peu plus long. Donc j'ai pris exactement le même patron du bas, seulement le bas. J'adore ce combi short. Tout simplement, en fait, je parle trop, je sais. En fait, c'est parce que ce combi short, je mets un petit t-shirt à l'intérieur, c'est élastiqué. Et quand on va aux toilettes, vous descendez tout simplement, vous n'êtes pas nu en gros. C'est, je trouve, ouais. Oh, mais je vais le refaire. Je vais refaire ce... En version longue aussi? Non. Courte? Courte, vraiment comme celui-ci. Bref, donc j'ai pris le bas de ce, parce que c'est un patron que j'ai déjà. Et donc c'est le la tendance couture numéro 41 et c'est le modèle numéro 22. Je l'ai fait en 40-42. La combinaison Dominique, c'est du 34 à 46. Je l'ai fait en 38 du haut. Les marges de couture donc ne sont pas incluses dans les patrons de la République du chiffon. L'école chez eux, souvent l'école comme ça, parce qu'on a déjà fait avec la chemise Juliette. Vous préparez d'abord votre col, endroit sur endroit. Vous le retournez. Si vous voyez bien, il est arrondi. Ici et le devant ici il est aussi arrondi. Après vous prenez votre col, vous le prenez en sandwich entre la parementure, ok, j'ai déjà cousu ici, oui, la parementure et le tissu extérieur, et vous cousez tout autour et vous sortez votre, quand vous le remettez après votre col, il est pris. C'est vraiment facile à faire. Les émanchures, c'est bien expliqué. Ouais, c'est bien expliqué. Là, par contre, ils disent bien donc de thermocoller la parementure ici et le col. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire? Donc, normalement, le combi Dominique ici, normalement, vous avez des pinces devant ici. Moi, j'ai enlevé les pinces. Et voilà, et j'ai mis un élastique tout autour. Pour donc j'ai fait d'abord le haut, j'ai monté mon short en bas avec une petite poche ici parce que j'aime bien avoir une poche pour mettre mon téléphone. Je suis d'accord. Petite poche jupe ici. Robe qui a des poches, c'est génial. Ouais. Et ton short pour le coup. Et j'ai mis un élastique, donc ici, vous prenez votre élastique, vous mettez à la taille et vous mettez, quand vous mettez le haut et le bas, vous cousez ensemble, vous surjetez et je mets l'élastique sur le surjet. C'est vraiment facile, hein. Là par contre, je n'ai pas mis sur les deux parementures devant. C'est donc t'as fait comme la comme robe. La robe Arlette de chaque côté, pour ne pas avoir... pour ne pas avoir le ventre, voilà. Et moi, je compte porter une ceinture avec. Ceinture blanche. Blanche, j'en ai moi. Ah ouais? J'ai une ceinture blanche. Donc, j'ai mis des passants. Le côté, au milieu dos et l'autre côté. Donc, chaque côté ici, au milieu dos. Et si tu portes sans ceinture, est-ce que ça se voit ou pas tes passants? Je sais pas. Parce qu'il fait blouser. Il fait vraiment blouser. En fait, je pense que si je ne veux pas qu'il blouse, il faut que j'enlève 2 cm de hauteur le haut. Ouais, mais c'est un bien peu, ouais. Blousé. Et par contre, dans leur modèle, les manches là, où ils disent de surfiler et de plier. Et j'aime pas du tout ça. Je trouve que ça fait mal fini. Donc moi, j'ai mis un billet. Avec le même tissu. Je trouve que ça fait plus joli un billet. Et la parementure, donc, qui est cousue en bas, sur le bas de pantalon ici, il est. Là, par contre, vous voyez, ils disent de coudre ici. Là, il est cousu. Sur le dos. C'est souvent comme ça chez eux. Mm. Cette parementure-là, ils disent toujours de coudre. Sur la robe, je voulais pas fermer ici. Oh.
C'est un c'est truc d'été. Oui, et puis ça se voit pas, c'est crépon, même s'il y a des plis, ça se verra pas. Voilà. Et je l'ai cousu aussi, la parementure, sur la couture d'épaule. Et puis, voilà. Et puis, des boutons. C'est quoi comme bouton? C'est des boutons de récupération que j'ai récupérés, je ne sais pas où. Sur des vieilles chemises, sûrement, de mon mari. C'est vraiment des boutons. C'est vraiment un short pour l'été. Hein. C'est pour... voilà. C'est pour se promener. C'est pas pour... Tu m'as pas encore vu avec? Non. Non. Enfin, si, tu l'as essayé pour le coup, mais... Non, je l'aimais pas. Fini, tu l'as pas encore mis. Je l'aimais pas tant que... Mais il faisait pas beau, de toute façon. Ouais. Donc... Alors moi je vais continuer sur la même tonalité de couleur de ce que je vous ai présenté à l'instant, juste avant Capucine. Je vais continuer avec une robe. Je vous avoue, je me fais vraiment du mal là. C'est vrai que sur les premiers podcasts je vous disais oui, je porte pas de robe, je mets du noir, que des pas de couleurs. Là on est vraiment le jour et la nuit. On change, hein. Ah bah ouais, mais je trouve que ça, quand tu couds, enfin, je sais pas si le fait de porter tes cousettes aussi ça apporte de la confiance en soi, de se dire oh bah tiens je vais essayer ça, je vais essayer ça. Genre toi, des shorts, t'en mets pas? J'en mettais plus. Je mettais quand j'étais plus jeune. Mais y a pas d'âge pour porter des shorts. Oui, mais je voulais plus, même les jupes je voulais plus. Je ne portais que des jeans. C'est vrai ça. Et c'est vrai que quand on coud, on ose porter des vêtements, des tissus qu'on n'a pas du tout imaginé acheter ou porter avant. Ou des vêtements, par exemple, des vêtements bariolés, moi ça ne me gêne pas du tout. J'adore. Mais on ne voit pas déjà dans les magasins des vêtements. Mais tant mieux. Voilà. Moi j'aime pas avoir les mêmes tissus. Bon, il y a une exception parce que j'ai acheté un tissu chez Nuance Fabrique et c'est du coup des tissus qui ont été utilisés chez Cézanne. J'adore, mais je sais que de toute façon, là où je travaille, personne n'aura ce genre de truc, déjà, donc ça va. Mais c'est vrai que j'aime pas voir les tissus que moi j'ai achetés en magasin parce que du coup, ça enlève un peu cet aspect... genre original, unique, je sais pas si vous êtes pareil, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez la même chose. Mais moi j'aime pas du tout quoi. Enfin bref. Tout ça pour dire que je vais vous présenter une cousette qui a la même couleur que tout à l'heure. Et c'est une robe. Une robe donc que j'ai pris chez Burda. Le numéro 4 de l'année 2022. J'ai ouvert le truc, j'ai feuilleté et je suis tombée amoureuse du modèle. Dès que tu l'as vu. Ah ouais. Je me suis dit ça. Ta soeur aussi. Ah ouais, ouais. J'adore ça. Et du coup, elle a fait le même tissu. J'ai vraiment pas fait. C'est pas. En fait, c'est un crêpe. C'est une mousseline, ouais, pardon. Oui, mais c'est le même tissu. Même couleur. C'est la même couleur. Donc la robe qui est juste ici, c'est le modèle 107. Qui est présenté en deux versions dans le magazine. Il y a une version longue et une version courte. À la base, j'étais vraiment partie pour une version courte et je me suis rappelée que j'avais de la double gaze verte haut. Et je me suis dit, bah, ça ressemble beaucoup à ce que la dame porte et ça pourrait être très magnifique. Jolie. Donc je vais vous la présenter donc juste ici. Je ne vais pas pouvoir vous la présenter en totalité parce que c'est une robe longue et que c'est un peu plus compliqué. Vous verrez tout à l'heure sur les essayages. Donc c'est une robe donc en double gaze qui vient de chez Tissu de Rêve. Tous mes tissus viennent de chez Tissu de Rêve. Là, c'est, je ne le fais pas exprès. Donc juste ici avec une partie donc devant. Voilà.
partie devant. Donc vous avez un jeu de plis sur l'encolure, juste là. Vous avez donc une ceinture, une coulisse extérieure sur le devant, qu'on retrouve à l'arrière, avec donc deux brides. Donc le dos donc avec une fente, avec une ouverture sur le haut, la coulisse, et donc le dos qui est monté en deux parties, puisque c'est pas sur le pli qu'il faut la prendre pour pouvoir avoir justement la fente en haut. Et sur le bas, c'est très compliqué de montrer tout ça, vous avez une fente de chaque côté, voilà. Donc c'est un modèle qui est disponible de la taille 36 à la taille 44. Je l'ai réalisé en taille 36 et j'ai eu une petite frayeur parce que du coup j'avance la robe, tout ça, et je l'essaye. Mais je l'essaye avec des vêtements sur moi. Et là, je baisse la robe, enfin pour que justement elle m'arrive aux pieds. Et je sens qu'au niveau des hanches, ça serre un peu. Je me dis mais c'est pas possible, comment... Bon, ça va, c'est parce que j'avais un pantalon et juste... Elle a pas envie de s'enlever. Ben non, j'avais la flemme. C'est juste pour voir en termes de longueur où est-ce que ça m'allait. Et je voulais juste voir où est-ce qu'il fallait que je coupe. Mais enfin, bref. Donc, j'ai fait en taille 36. En termes de modifications que j'ai apportées sur le patron, j'ai réduit de 16 cm la hauteur, enfin la longueur de la robe parce que je suis petite. Que du coup ça traînait un petit peu au pied si je laissais toute la longueur initiale, donc j'ai enlevé 16 cm en bas et c'est tout, c'est la seule modification. Il y a peut-être sur les brides que j'ai pas fait la totalité parce que sur la planche de découpe il vous demande de faire une bride de 143 cm. Je me suis dit, est-ce que c'est nécessaire de faire aussi long vu ma taille? Non. Donc j'ai dû faire 120, un truc dans le genre, je sais même pas en fait. Donc voilà, sinon il n'y a pas d'autres modifications que j'ai apportées sur ce modèle. Donc vous avez la bride, comme m'a expliqué Capucine tout à l'heure, sur le jeu de bride qu'on vient insérer à l'intérieur. Tu l'as expliqué tout à l'heure ? Donc je ne vais pas me répéter. Un élastique, donc initialement c'est un bout de tissu que vous utilisez pour faire votre bride, mais bon, j'ai un peu la flemme donc j'utilise c'est un élastique. C'est pratique ce truc. Mais oui. Mais des fois c'est très difficile en fait de le coudre parce qu'il faut qu'il soit bien cousu dans le... Il glisse parfois. Oui. Donc tu fais des allers-retours, ouais, avec la machine, mais normalement c'est bon. Un petit bouton donc, qui vient de chez Emmaüs, bouton de récup, enfin bouton que j'ai eu à Emmaüs. Voilà, couleur nacrée. Et la parementure, donc je vais retourner la robe. Elle est originale la robe, hein? Ouais. Ah, j'adore. Donc on a deux parementures, une parementure dos, une parementure devant. La parementure dos, donc elle vient justement se fixer depuis l'ouverture de la fente jusqu'à la base. Donc parementure sur parementure. Hop. Thermocollée. Thermocollée dans son entièreté. Et vous avez la parementure du devant. Donc qui est assez fine en fait et qui prend pas trop de place, qui ne vient pas rajouter du volume en plus. Parce qu'on a déjà le jeu de plis. Donc juste là. Et qui sont fixés donc juste sous les selles, donc dans la couture que je suis venue en fait fixer à la main. Il y a juste un truc que j'ai pas capté sur cette robe, c'est la fermeture pour les bras, parce que en fait la fermeture pour les bras, j'ai pris ma robe à l'endroit. Et je suis venue faire des ourlets. En fait, je suis venue avec le fer rentrer 1 cm du tissu à l'intérieur, donc pour la parementure et pour le tissu de l'intérieur et pour le tissu extérieur. Et je suis venue en fait fixer avec des épingles mais pour pouvoir surpiquer.
endroit sur endroit et tu retournes après. Bah oui, mais j'ai déjà ma permanture qui est fixée sur l'endroit là. Enfin, sur à l'intérieur. J'ai pas tout compris, toutes les explications. Je vous avoue, les explications de Burda, c'est pas un peu chaotique, mais... Oh, par rapport à la culture actuelle, c'est pas pire. Ah non, ouais, non, c'est pas pire. La culture actuelle, c'est vraiment... Mais il y a des moments où je me suis retrouvée... Enfin... Oui, je me souviens. Surfiler les surplus d'études... Les surplus. Genre, ce genre de terme, moi, ça m'a vachement perdue. Les surplus, les déplier surplus, la fait, brille... Les marches. Oui, mais il faut qu'ils utilisent... Je sais pas. Tout le monde utilise, enfin, la maison Victor, couture actuelle, c'est des termes, les marges de couture, surfiler les, tu vois. Et là, c'est vrai qu'il y a des fois... De toute façon, quand il s'agit de surfiler, c'est toujours le bord. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que là, les termes, j'utilise très peu Burda. Mm. Et c'est vrai qu'il y a des termes qui m'ont un peu... Enfin, c'est pas qui m'ont gênée, je m'en suis sortie, la robe est faite. Mais pour le coup, qui m'ont un petit peu perdue à certains endroits. Voilà. Bon, l'essentiel, c'est que tu... Oui, oui, oui. C'est magnifique. Donc voilà, je pense éventuellement la faire dans un... En version courte. Peut-être. Ouais, pour aller travailler avec. Ah, ah, mais même pour aller travailler. Même pour aller travailler, je peux la mettre. Hein. Ouais. Non? Oui, 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 oui. Après, tu sais, c'est, il n'y a pas vraiment des codes. Ça dépend où tu travailles, mais tant que je vais pas avoir des clients, je sais pas. Je pense qu'elle peut faire, très décontractée comme elle peut faire très habillée. Après, c'est comme la plupart des vêtements. En fait, ça dépend toujours du tissu qu'on utilise. Mm. C'est. Mais je trouve que. Et tu peux toujours casser aussi avec les chaussures. Oui. Enfin. Voilà. Ouais. Bon. Ah oui, moi j'en ai encore deux. Moi aussi. Ah d'accord. Donc moi, pour terminer mon petit tissu de... Cousette. De Cousette. Donc j'ai pris 2 mètres de top de la viscose Mila de chez Cousette. Il me restait... Parce que pour la robe Arlette, que j'ai parlé tout au début, en fait il faut pas beaucoup de tissu, hein. C'est 1m50 pour moi, c'est suffisant. Ils disent bien 1m60, donc il me restait 40 cm, donc je me suis dit je vais faire un petit débardeur. Et le top Alicia de la maison Victor de l'année dernière, de juillet août 2021, le top Alicia, c'est le top qui est là, que j'ai déjà décalqué l'année dernière, mais que j'ai jamais fait. Et ton... Ah ouais, tu l'as jamais fait? Non, c'est l'autre top que j'ai fait. Top Rosalia. Ah d'accord, ok. Mais j'ai pas fait du tout, je l'ai décalqué et j'ai laissé. Bon, il n'y a pas du tout de gros, grandes photos à vous montrer, mais je pense que vous connaissez le top Alicia. C'est de difficulté 2/4, de la taille 30 à 48. Moi, chez eux, je fais toujours une taille en dessous. Je devrais faire 38 et je fais 36. À chaque fois, la maison Victor, je fais comme ça. Pour Cassandra, pareil. Voilà. Quoi de dire par rapport à ce top? Elle est là. Donc, j'ai pu caser dans le 60 cm.
non, 40 cm de tissu. Il n'y avait pas 60. Hein. Attends, t'as utilisé combien pour le... 1,50 1,50 pour... Donc 50 cm ouais. de tissu. Je voulais utiliser le... Parce que c'est vraiment un coupon qui... Bah, t'as pas envie de le perdre, quoi. Ouais, voilà. Donc, il est comme ça. Avec des bretelles, ce que je n'aime pas... Pourquoi je n'aime pas coudre à ces genres de bretelles, c'est de régler les bretelles. Mm. Je me suis dit que la prochaine fois, je mettrai des réglettes, comme les soutiens-gorge, mais en transparent. Même aux couleurs rouge. Oui, transparent. Super. C'est peut-être plus... Là, vous mettez, vous enlevez. Et alors que le bretelle, il va être pris dans le parementure. Et le... Parce qu'il y a un parementure hein, tout autour. Ça, c'est le derrière. Et le devant, donc ici, vous avez aussi une parementure. Et vous avez un pack de boutonnage. Et moi, j'ai fait ma feignasse. Cassandra sort de ce corps. J'ai pas fait de boutonnière. Ah, vous j'ai mis des boutons. Donc, toujours les mêmes boutons quand nous, on met partout. On devrait nous sponsoriser pour utiliser ces boutons, oui. Franchement. Ils sont tellement magnifiques, regardez. Ils sont beaux. Ils sont vraiment magnifiques, ces boutons. Nacré, avec un petit doré tout autour. Heureusement que j'en ai acheté 100. J'en ai acheté aussi. Ah, t'en as racheté? Ouais, mais en couleur. Oui. En rouge. Parce que je me souviens quand même au début, tu m'as dit, Cassandra, pourquoi t'as pris autant de boutons? Et on a les mêmes en noir. Pourquoi t'as pris autant de boutons? Donc vous faites votre... Vous montez, vous essayez les bretelles, vous enlevez, vous faites attention de ne pas retourner les bretelles, que ce soit... C'est ça qui m'embête en fait. Moi j'ai enlevé 6 cm ici pour mettre le petit volant, sinon il est trop long et même je trouve qu'il est lent avec les volants. J'ai bien marqué, hein, demande très peu de tissu, entre 60 à 70 cm, c'est suffisant. Ça aussi c'est bien pour moi. Pour épurer tous les coupons que tu peux avoir. Ouais. Pour moi, soutien-gorge compatible. Des fois, je mets un soutien-gorge sans bretelles. Donc, ça va aussi. J'ai rien du tout à... Au niveau de... Pour la finition ici, donc un petit ourlet de... Je crois que j'ai marqué 1 cm et j'ai retourné dans le 1 cm. Donc, 0,5 x 2. Vraiment un petit ourlet ici et voilà. Il est magnifique le tissu. Magnifique, ça. Il est tout doux. Et vraiment, vraiment tout doux. Au niveau des coins de... Comme ça, pour qu'il n'y ait pas d'épaisseur, je fais toujours le système, vous marquez votre ourlet, vous marquez bien, après vous cousez endroit sur endroit, vous retournez et vous n'avez pas du tout de... Moi je fais ça maintenant partout. Tu fais ça maintenant, ouais. Par contre, pour faire les bretelles, comment j'ai fait? Alors, j'ai pris de la corde, une corde assez longue, que j'ai cousue à l'intérieur. J'ai mis mon... Vous cousez bien tout au début de la corde. Vous cousez endroit sur endroit tout au long de votre bretelle, vous tirez la corde et vous avez votre bretelle. Voilà, puis il y a une petite pince poitrine ici, ça se voit pas là-bas, mais là, et puis parmenture cousée à la main ici pour tenir un petit point, et puis vous avez un petit top Alicia. Je suis amoureuse du tissu. T'es amoureuse du tissu? Il existe encore? Ouais, mais j'ai beaucoup de tissus qu'il faut que... Pour l'été, je pense que il est tout doux. Il est vraiment tout doux, cette viscose. Non, mais c'est qu'en fait, ça me fait beaucoup penser au tissu indien. Ah ouais? La façon dont... c'est que t'as l'impression que c'est imprimé, tu sais, comme je t'ai montré. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est ça. Et en fait, je sais pas vous, mais moi, des fois... Je vois un tissu, je sais tout de suite ce que je vais faire avec. Donc, ça fait un an hein, qu'il attend son heure. Je savais ce que... Et par contre, ça arrive aussi. Excusez-nous si vous entendez des bruits. C'est mon mari
Je ne sais pas ce qu'il fait, je pense. Il range son bureau. Et ça m'arrive aussi d'acheter le même tissu. Je sais ce que je vais faire avec, mais je change d'avis après. Ah oui, oui. Oui, bah surtout pas. Alors, pour la troisième cousette, encore une robe que je vous ai déjà présentée ici, c'est la robe Runa. Je vous l'ai présentée l'année dernière dans une version jean. Je vous remettrai le lien bien sûr dans la barre de description. La robe Runa que vous pouvez retrouver dans l'édition janvier-février 2020 de la Maison Victor, qu'on voit un petit peu en couverture et qu'on retrouve donc... juste ici. Donc... le modèle, ça donne pas envie. Hein. Ah ouais? En fait, c'est ces mélanges de carreaux. Moi, je l'ai fait aussi. Hein. On en a parlé plusieurs fois. Je sais pas. Mais des fois, leur choix de tissu, en fait, ça donne, ils donnent pas envie. C'est vrai qu'au début, quand on a acheté, quand on commençait à acheter à Maison Victor, on se disait, mais c'est quoi ces tissus, quoi? Ils font toujours pareil. Hein. Bah ouais, c'est comme sur le dernier modèle, enfin le dernier, la dernière édition où ils font une chemise en jersey. Donc pour rappel, c'est une robe donc chemise longue avec une ceinture donc on va peut-être le voir ici, donc avec une ceinture à la taille, un col avec un pied de col normal, un col chemise. Donc voilà, à manches longues que j'ai hacké l'année dernière parce que moi je voulais une robe, en jean, chemise, et j'arrivais pas à trouver de modèle. Et en fait, Capucine elle me dit ah oui, mais il y a la robe chemise Runa, je l'ai faite pour ta sœur. Je l'en ai jamais d'ailleurs. Je sais pas dans quel tissu tu l'as fait. Elle se met pas en robe en ce moment. donc je l'ai hacké justement en raccourcissant les manches et la longueur de la robe, et je l'ai réalisé dans une gabardine stretch de Blessenstoffen. Donc c'était un coupon de tissu que j'avais depuis un bail, et qu'il fallait que j'épure puisque déjà c'est brique. Et brique, vraiment, cette année, je suis amoureuse du brique. C'est une révélation. Ouais. J'ai aligné un petit peu quelques habits dans mon armoire et c'est vrai que j'ai... Ah ouais ? J'ai plusieurs trucs briques, je me suis dit, bon, peut-être que je me calme. Donc la robe, elle est juste ici. Donc sur les modifications, vous voyez bien que les manches ont été raccourcies. Je n'ai pas réalisé le col chemise, j'ai voulu laisser ça en col Mao. T'as gardé le pied de col. Oui. Et ça fait un col Mao parce que je l'ai arrondi en fait. Je l'ai arrondi. Le derrière, vous avez également en fait le début de défente qui est présenté sur le modèle initial qu'on retrouve ici. La patte de boutonnage et deux pinces poitrine qu'on retrouve sur les côtés ici. C'est une robe qui est... enfin, du coup, avec les modifications que j'ai apportées, qui est très rapide à faire. Le tissu était très agréable à utiliser. Voilà. Tout simplement. Compliqué de trouver. Non. Au début, j'avais du mal à trouver l'endroit et l'envers, mais après, ça va. Par rapport à la première version que j'ai réalisée sur la boutonnière, en fait, sur la version noire, j'avais fait la boutonnière jusqu'en haut, donc ça veut dire que j'avais un bouton en fait en haut. Qu'on n'utilise jamais. Que je n'utilise jamais, donc là, vu que j'ai galéré à trouver des boutons,
J'en ai pas mis en haut et en fait ça m'a fait toute la robe. Donc voilà. Et la ceinture qu'on retrouve ici. Ceinture plus fine que sur la version noire. Je me souviens pas du tout des dimensions que j'ai utilisées. Je pourrais pas vous dire ça. Mais voilà, qui vient cintrer justement la robe. Voilà, pas grand chose à dire. Ah oui, si, peut-être les tailles qui sont disponibles. Donc en difficulté, on est sur 2 sur 4. Et sur les tailles, on est de la taille 34 à 56. Et je l'ai réalisé en taille 34. Voilà. Alors, donc je termine. Ah non, je termine encore. Moi, je termine pour ma part. Donc encore une couture non égoïste parce que c'est pour monsieur. Alors toujours, donc moi, je vais toujours là-dedans, hein, comme j'ai dit la dernière fois. Donc couture pour monsieur et j'ai fait la chemisette de ce monsieur. Qui est là du taille XS jusqu'à XXL et moi j'ai fait en taille S. Donc si vous regardez bien sur le monsieur, il y a deux poches plaquées devant avec un petit rabat. Moi je n'ai pas fait les rabats. Il y a un petit empiècement qui du dos jusqu'à l'épaule. Et il y a un petit revers de manche. Donc, je l'ai fait deux fois pour monsieur. Donc, dans un popeline de coton de chez Dressenstoffen. En encre. Oh, c'est joli, ça change. Oh, j'aurais bien aimé en fleurs. Des toutes petites fleurs. Toutes petites ouais. Fleurs. J'adore les chemises hommes avec des fleurs. Je trouve ça... Mais je sais pas si ce sont... Alors là, je vous montre ici un petit peu en détail comment c'est. Alors, l'empiècement, il est là. Donc, qui va jusque devant, que j'ai surpiqué ici. Colle avec un pied de colle. Donc, je l'ai fait deux fois de suite, hein, une fois qu'on est lancé. Voilà, donc là c'est un petit un popeline de coton aussi chez Emmaüs, un petit carreau vert et bleu marine. Pareil, donc avec des poches, hein, mais je n'ai pas mis les rabats sur les poches. Colle avec un pied de colle, donc un boutonnage. Là, par contre, j'ai surpiqué l'empiècement du dos, ce que je n'ai pas fait. Il y a des manches, avec les rabats de manches. Tu pestes déjà. Oui, alors déjà, le repère. C'est vrai qu'il y a beaucoup de repères. Repères pour faire pas de boutonnage. Qu'est-ce que ça me saoule? Non, mais je n'aime pas du tout, en fait, faire les chemises. Il faut plier en deux fois, il faut machin. Vous savez ce que j'ai fait? Alors, je prends le gauche. Ce qui est bien sur son patron, en fait, c'est bien marqué bord fini gauche. C'est bien marqué. Et bord fini droite. Bien marqué. Donc, vous savez que vous devrez arriver là, partie gauche, et arriver sur l'autre côté, partie droite. Donc, je l'ai fait comme ça. Je n'ai pas suivi comment il faut plier. Je le fais. Je pose sur mon patron. C'est bon. Et pour être sûre, je monte le col. Je monte le pied de col. Et j'essaye tout autour si ça va bien jusqu'au bout.
Parce que sinon, moi, je m'embrouille, en fait, je m'embête beaucoup avec les pliages de pattes de boutonnage. Donc, quand j'ai vu que tout est bon, j'ai dit bon. C'est vrai qu'on peut rester bloqué juste sur ça. Moi, ça m'est déjà arrivé, même sur couture actuelle. Je l'ai sur... fait avec ma robe Runa, là. Ouais. J'étais là. Ah, mais je comprends pas. Oui, ben, il faut que je plie là. Ah, mais. Oh, ça m'embête. Donc, c'est. Voilà, j'ai trouvé l'astuce. Hein, je. Dans ce patron-là, c'est bien marqué, mais dans les autres patrons, c'est pas marqué. Les marges de couture, elles ne sont pas comprises dans ce patron, donc il faut rajouter. Et aussi les repères des manches. Les manches, en fait, vous les montez à plat. Et quand, vous, quand je regarde dans le patron plusieurs fois, j'ai que 3 repères. Il n'y a pas devant, derrière, j'ai pas du tout compris. Donc j'ai fait, j'ai mis aux 3 repères à qui convient, ça veut dire que sur le dos, en fait, je n'ai pas le repère ni sur le dos, ni sur la manche. Je trouve que ça fait quand même des plis là pour lui, mais il me dit que ça ne lui gêne pas, il me dit que ça lui gêne ici, alors que je trouve qu'au niveau carrure, ça lui va bien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi pour les revers? J'ai pesté, j'ai pas du tout compris ce qu'on me demande de faire. J'ai pas compris. En fait, pour faciliter, pour vous dire comment moi j'ai fait, parce que des fois ça rentre pas dans ma tête, hein. J'ai plié mon revers. Donc vous cousez sur le petit côté, j'ai plié en deux. Et j'ai cousu dans l'envers, sur l'envers, à l'intérieur. J'ai cousu comme ça et puis j'ai retourné, oh bah oui. J'ai bien repassé. Et toute la couture, en fait, il est à l'intérieur. Il ne se voit pas. Et il me reste à faire une petite couture ici pour tenir le revers. Parce que j'étais là, j'ai dit à Cassandra, je ne comprends pas ce qu'il me demande, ça ne va pas. Enfin, voilà, pour ces deux, j'adore ce livre, mais il y a un petit souci pour les repères sur les manchettes. Pourtant, j'ai déjà fait la chemise là-dedans, que je n'avais pas du tout de problème. Mais la chemisette, j'ai déjà fait la chemise chic dedans, celui-ci, sans souci. Et la chemisette, il y a une coquille pour moi, c'est... Il manque quelque chose, il manque un repère. Voilà, pour ce modèle, j'ai l'impression que je fais vite, mais j'ai pas du tout autre chose à vous dire, hein, par rapport à ces deux chemises que vous allez voir portées par monsieur, ou bien des photos. Du coup, c'est à moi de clôturer, c'est ça? Je vais vous montrer une cousette. Mais le tissu est incroyable. Mais juste incroyable. C'est un tissu qu'on a commandé, je pense, une de nos premières... Ça fait longtemps. Hein. Ça fait très longtemps quand on a commencé à coudre. Quand on a commencé à connaître des... Dresden-Stoffen. Parce qu'au début, on achetait dans notre mercerie. Oh là là. Cher. Bon. Enfin, bref, donc c'est un modèle que Capucine a déjà présenté, qui est également donc dans ce livre là le même que je vous ai présenté en début de podcast, sauf que cette fois-ci c'est un modèle de pantalon. Au début de podcast, oui, la robe de Aurore. Ah oui, pardon. Et c'est le pantalon jaune, donc clairement le nom du modèle, c'est pantalon jaune. Le modèle 14 que vous avez ici, qui est disponible donc en taille 38, 42 et 46. Le même pantalon que j'ai mis dans le podcast numéro d'avant, celui-ci. Donc il a déjà été présenté plusieurs fois. Je ne peux pas vous dire dans quelle taille je l'ai réalisé parce que en fait, j'avais la flemme de décalquer. En fait, Capucine m'a dit, bah, si tu veux, tu essayes le mien. Donc, je suis allée le chercher, ça m'allait
très bien, sauf que peut-être un petit peu grand sur la largeur des cuisses. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris le patron qu'elle a déjà fait. Donc je l'ai fait en 42, je crois. Ouais. Donc j'ai pris le patron. J'ai tracé donc du coup en parallèle du droit fil deux. En fait, j'ai fait exactement la même méthode que quand vous avez besoin de raccourcir ou de rallonger un haut ou une jupe. Mais dans l'autre sens. Donc au lieu que ce soit en horizontal, je l'ai fait en vertical. Et en parallèle du droit fil pour pas non plus qu'il y ait un problème de tissu par la suite. Et donc justement, vu que je trouvais que les cuisses étaient un peu trop larges, j'ai tracé mes droites. Donc deux droites pour chaque pièce, pour justement faire en fait sur la moitié, pour pouvoir plier sur la moitié. Donc je l'ai fait sur le devant et sur le derrière. Et j'ai magouillé un petit peu le patron de Capucine sur ça. Parce qu'elle m'a dit oui, c'est un patron qui prend beaucoup de tissu. Moi j'ai presque mis 2 mètres. Moi je voulais pas, parce que je vais vous montrer le tissu. Il est là. Et le tissu, je sais que j'en ai pris 2 mètres et que je voulais pas mettre les 2 mètres juste pour un pantalon. Donc c'est un lin viscose de chez Dressenstoffen qui n'existe plus malheureusement. Donc voilà, ça fait un moment que je l'ai commandé. Donc le pantalon, il est là, vous le verrez mieux tout à l'heure en essayage. Donc avec 2 poches prises dans la couture sur les côtés. Ici. Voilà, vous avez donc... Il y a juste en fait 4 parties. Enfin, mis à part les poches, vous avez 4 parties puisque ici c'est pas une ceinture qui est rajoutée. En fait, c'est le tissu initial des 4 parties que vous repliez à l'intérieur pour pouvoir faire insérer votre élastique qui vient resserrer donc à la taille. Donc voilà, c'est une cousette qui est dit couture facile dans le magazine. Effectivement, je l'ai fait en un après-midi. Mmh. À couper, à tout faire. C'est très rapide. C'est... Moi, je l'adore. Expliquer la façon de couture actuelle, donc ça c'est sûr. Mais c'est simple à comprendre. Pour des débutants, c'est top. Et le modèle est vraiment juste génial. Rien à voir avec le modèle, mais moi, le lin viscose... Ah oui, c'est ça que je voulais te dire, gratte, en fait. Ah oui. Touche. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui adorent le lin. Oui, mais ça, c'est l'extérieur. Non, il est comme ça à l'intérieur aussi. Ah, c'est pas agréable. Non. C'est pas tout doux, en fait. Non. Donc, je sais pas si vous avez des astuces pour adoucir du lin viscose, mais si vous en avez, je suis... Avec assouplissant. Je suis preneuse. J'ai pas d'assouplissant chimique chez moi. Ah. C'est que vinaigre blanc chez moi, donc... Donc je sais pas s'il faut... Je ne sais pas. Parce que je sais que la viscose, hein, c'est très... Ils ont beaucoup de succès. Donc ça m'étonne que tu dis que ça gratte. J'ai discuté avec quelqu'un aussi sur Instagram. Elle m'a dit oui, la viscose, est-ce que vous avez des astuces? Parce que là... Et est-ce que ça froisse beaucoup? Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Là, je l'ai repassé justement pour vous le présenter. Mmh. Mais ça va. Moi, je vais encore le refaire et je voulais en fait le faire dans du crêpe Georgette. Mais je ne savais pas que crêpe Georgette, c'est trop... C'est trop épais? C'est trop transparent. Ah. Parce que je voulais vraiment un tissu noir avec des grosses fleurs, tu vois. C'est trop léger. Donc je suis déçue. J'ai acheté des tissus chez Craftim et exprès, j'ai pris 2 mètres pour... Voilà. Je vais chercher, je vais vous montrer. Ah, là dedans, magnifique. Et c'est vraiment exprès pour. C'est trop transparent. C'est trop fluide quoi. Non. Ah oui non. Oh non, il faut que ce soit fluide mais. Je le trouve trop fluide pour le coup. C'est trop. Ouais. Ah oui non mais je vois les voitures dehors. Quoi. Non. C'est dommage quoi.
Bon, tant pis. Donc voilà, j'avais pas grand chose à dire. Il me reste un petit peu de ce tissu-là. Je voulais faire un petit peu un ensemble. Donc je réfléchis encore à quel type de haut je voudrais faire. Je voudrais pas non plus que ce soit un haut qui puisse être porté que avec ce pantalon. Donc Top Alicia. Top Alicia, t'as pas besoin. T'as besoin que 60. En fait, ce qui m'embête ouais. avec les tops comme ça, c'est vraiment au niveau de bretelles. Et c'est ça. Il voilà. faut bien régler, il faut bien. C'est... Soit un petit top tendance couture, soit ouais. Tu vois, qu'il puisse être aussi décontracté sur d'autres... un petit top tendance couture avec ça, ça ferait... Comme tu as mis là. Ouais. Ouais. Bon, allez, c'est parti. Après, ça fait combiner, ça fait, on dirait combi. C'est une fausse combi, tu vois. Et ça peut être ça aussi. Bon, bah peut-être que vous verrez ce tissu dans un top tendance couture la prochaine fois, je ne sais pas. On verra. Voilà, ce podcast est maintenant fini, on a tout présenté. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Un petit pouce en l'air aussi si ce podcast vous a plu. Activez la clochette pour recevoir les notifications sur les prochains podcasts. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos aventures couturesques. À bientôt. Au revoir. Salut.